Devine ce que j'ai reçu aujourd'hui. Un énormissime bouquet de 101 roses, jaunes et rouges vifs. Un des moniteurs de l'auto-école. Bonne chance. Énormément déçu. Ah, nous y voilà. Non, je sors avec des hommes qui sont beaucoup mieux que lui. Arrête. Il y peut rien. Tu sais que tu vas lui faire de la peine. En fait, il est si petit et son haleine est si difficile à supporter. Tony, que pensez-vous de l'haleine de Mélanie? Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux pas de larmes. Je veux que vous soyez actif. Seul responsable de votre vie, personne d'autre ne peut la prendre en main. Vous seul pouvez changer le cours d'une existence sans amour et sans joie. Et en libérer ce qu'elle a de meilleur. Attention à la main qui rampe. J'ai rêvé que je faisais l'amour à Gorbatchev. Ça se passait dans son bureau au Kremlin. Après, il a demandé des sandwichs. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Du roast beef. À la moutarde? Je sais pas s'il y avait de la moutarde. Peu importe. Une serveuse nous les a amenés. Et il voulait régler par chèque, mais elle voulait être payée cash. Imagine une seconde. Gorbatchev qui doit payer cash au Kremlin. Regarde-la, on dirait une vraie princesse. Tu es vraiment une artiste incroyable. Le corps est prêt? Hein, voyons ça. Elle n'avait pas autant de cheveux. Oh, je l'ai un peu aidée, la pauvre femme. Bon, vous avez fait l'arrière, mais personne ne regarde l'arrière. Je vous l'ai répété 100 fois. Vous y passez beaucoup trop de temps, voyons. Et le temps, c'est de l'argent. Ah, ah là, là. Irène, si tu veux mon avis, je la trouve beaucoup mieux ici que lorsqu'elle était à l'hôpital. Peut-être, mais elle était encore en vie à l'hôpital. Oui, elle a meilleure mine morte. J'ai l'impression d'avoir connu la défunte.
Grâce aux entretiens que j'ai eus avec son adorable famille, j'ai cru comprendre qu'elle ne voulait voyager que dans une Cadillac ivoire. Aujourd'hui aussi, elle voyagera dans l'une d'elles. C'est le plus joli cercueil qu'on puisse se payer. Il a tout ce qu'il faut, sauf les roues. C'était un bel enterrement. Tout le monde pleurait. La famille veut que ses cendres soient réparties dans plusieurs sacs plastiques. Eh ben, c'est chouette. Ils en garderont une partie chacun. Dis-moi, Grace, si j'ai bien compris, tu prends ta journée demain. Mon père va se marier. Mais Kerry se débrouillera très bien. C'est moi qui lui ai appris. Mais on a une journée épouvantable. Demain, ils vont tous s'entasser en bas. Je te signale que tu avais déjà 10 minutes de retard ce matin. Les 3 hier. Aurais-tu oublié que c'est la période la plus chargée pour nous? Ils tombent tous comme des mouches pendant les vacances. Grace? En tassant bien, tu peux peut-être rentrer dedans. Si on me tasse dans cette robe, j'aurai l'air d'un saucisson. Non, 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 mesdemoiselles, vous vous êtes complètement trompées de rayon. Allez voir au rayon des femmes fortes. Je voulais juste regarder, ça n'engage à rien. Mes chéries, vous ne voudriez pas me faire plaisir. Allez voir au rayon des femmes fortes. Eh ben, c'est pas si mal. Oh, je ne suis pas aveugle, je vois bien que j'ai l'air d'un Kingston. Ah, et c'est le rose fuchsia. Et j'aurai l'air d'un Kingston fuchsia, tout à fait ce qu'il faut. Je maintiens ce que je dis. C'est écœurant que tu ne fasses pas partie des demoiselles d'honneur. C'est vrai, quoi, si les deux filles de sa fiancée y sont. Tu dois y être, tu es sa fille. Vanda veut juste un petit cortège. Tu le trouves petit, toi? Elle a 7 demoiselles d'honneur. Oui, mais tu les as pas vues. Elles sont toutes minces. Elle a dit, Grace chérie, ça va tout déséquilibrer. De toute façon, je suis ridicule en rose avec des rubans partout. Oui, mais ton père aurait dû insister, c'est pas juste. Mon père a déjà du mal à me regarder. Je ne suis pas tout à fait la fille qu'il espérait. Tu lui rappelles peut-être ta mère? Oh non, j'ai rien à voir avec ma mère. Ma mère était magnifique. Mince, grande, fine, éblouissante. Les miroirs sont terribles dans ces magasins. Ils vous montrent vraiment tel que vous êtes. Il ne me reste plus qu'à mettre mon ensemble gris. Ouais. Pourquoi claquer du fric pour une robe fantaisie? C'est idiot. Combien de fois t'auras l'occasion de porter un truc pareil? Peut-être jamais. Autant l'une que l'autre, nous n'avons pas beaucoup de chances de nous marier. On sort d'ici, je meurs de faim. De piment, s'il vous plaît. Est-ce que tu sais que les hot dogs sont remplis d'hormones et de conservateurs? Tout ce qu'il y a de plus à faire. Merci. J'en connais une qui s'est retrouvée en noir le jour de son mariage. Oh, tu me l'as déjà raconté. Le marié s'est étouffé avec un gâteau industriel et après quelques soubresauts, il était mort, je sais. Oui, c'est ça, mais c'est une histoire vraie, je t'assure. C'est vraiment le genre de mec qui me sort par les yeux. Et bien, est-ce que tu te rends compte que le meilleur coup que j'ai jamais réussi, c'est avec ce pauvre Eddie Brox? Et encore, ça n'a duré que 8 jours. Jusqu'au moment où il est venu rendre visite à ma copine de chambre. C'est avec lui que t'as pris un bain moussant? Waouh! Ouais, mais on avait nos maillots. Ah, oh, ça compte quand même. Tu vas le boire? Non, vas-y. Merci. Ils ne mettent plus du vrai chocolat maintenant. Oh, et la crème, n'en parlons pas. Tout droit sorti d'une bombe complètement chimique. Kerry, on en réchappe. Regarde-moi, je suis bien en vie, non? Grace, regarde. Être sûr qu'il est marié. Ou alors il a une petite super sexy. C'est le plus bel homme que j'ai jamais vu. Même si tu avais une chance avec quelqu'un comme ça, il y a trop de maladies. Tu pourrais pas coucher avec lui. Si, je pourrais. Je le ferais.
fait d'abord bouillir. Oh, mon asthme! Oh, l'air est rempli de spores de champignons. Ils se glissent dans les narines, poussent dans tes poumons, grandissent et te tuent. La seule robe que j'ai sera suffisamment bien, tu crois? Oh, bah, elle est loin d'être sexy, mais c'est pas choquant. Mon train! Au revoir! Au revoir! Oh, Grace, tu rentres bien tard. Je suis allée patiner. Oh, patiner. Je voudrais bien voir ça. Nous voici au milieu d'un conte de fées des temps modernes. Un jour de printemps, un boucher fit la connaissance de la caissière d'un supermarché. Quoi qu'il en soit, la mariée et son époux remercient chaleureusement M. Stonet de les avoir réunis. Un philosophe grec, je crois qu'il s'appelait Platon, a dit que l'homme et la femme ne sont que les deux moitiés séparées d'un même fruit. Chacun cherche l'autre, partie de lui-même, pour former un tout. Al, Vanda, je sais que tous les deux allez former une belle orange. Bonjour Elsa, on est presque des sœurs maintenant. Oui. Oui. Oh, tu es magnifique, Vanda. Merci, je suis si contente que tu sois là. Je serai heureuse que tu viennes à la maison un soir. J'arrangerai un peu ta coiffure. Tu n'auras qu'à t'en remettre à moi. Je m'y connais dans l'art de la séduction. Demande à ton père, tu verras. Je suis si contente que tu sois là, chérie. Félicitations, papa. Oh, Grèce, merci. Merci d'être venue. C'est peut-être un peu curieux comme cadeau, mais j'ai pensé que ça te plairait. Oh, mon Dieu, c'est... Mais c'est nous deux. J'ai peint d'après une photo. Oh, mais c'est très joli. J'étais plus mince. Oh, Vanda, regarde. C'est Grace et c'est moi. Regardez ça, hey. C'est très joli. Oh, mais ça irait drôlement bien dans notre salle à manger. Oui, bien sûr. Hein. Regarde qui est là. Wilbur. Tu n'es pas obligé d'approcher. Mais je croyais que t'étais à la pêche, ça. J'aurais pas manqué ça. Certainement, non, je suis ravi que tu puisses venir. Oh. Je t'ai vu.
Tu sais à quoi je pense? Oui, je sais, je pourrais être une belle fille si seulement je perdais un peu de poids. Depuis que je suis née, tu n'as pas arrêté de me le répéter. Tu perds environ 50 kilos et ça change tout. Faire un régime, facile à dire. Je les connais tous, la seule chose qui me reste, c'est de ne pas manger. Chérie, tu m'apportes un coca avec du rhum? Avec du rhum. Ton père t'aime beaucoup, tu sais. Il essaie de t'aider comme il peut. Grace, tu as un visage magnifique. Si tu ne perds pas un peu de poids, tu ne trouveras jamais de petit ami. Je ne suis pas à la recherche d'un petit ami. Oh, bien sûr que si. Ne crois pas que tu peux me tromper. J'ai déjà un petit ami. Ah oui? Et depuis quand? Depuis quelque temps, je vous ai rien dit. Il est drôlement gentil. Et il m'aime comme je suis, il est super. Bon, eh bien, ton père et moi, nous serions ravis de le connaître. Oh, mais lui aussi. Ah, ah, c'est l'heure du riz. À tout à l'heure. Oui. Son uniforme. Tu parles, ils sont toujours mieux en uniforme. Et c'est pour ça qu'il y a autant de scènes de ménage. Elle tombe toute amoureuse d'un uniforme et elle découvre qu'en fait, il n'y a qu'un moustique à l'intérieur. Oh, je suis sûre qu'il m'a vue, j'en suis absolument certaine, il m'a remarquée. Tu veux dire que vous vous êtes regardée dans les yeux? Pas exactement, alors mais... ça ne vaut rien si vous ne vous êtes pas regardée dans les yeux. En tout cas, il sera à moi. Oh, oh, est-ce que tu le vois? Il est juste au milieu, regarde. Oh, regarde, il est là. Il faut absolument que je sorte de là si je veux qu'il me remarque. Ours? Grace? Grace? Oh. Ah! Oh! Désolé, ça va? Ça va? Se regarder dans les yeux cette fois. Oh, je lui plais, je te le dis. Quatre semaines de vacances. On va se transcenser sans même me prévenir. Je veux prendre mes vacances. Ça fait 3 ans que je travaille ici. Je n'ai pas eu un seul jour de congé. Non, c'est impossible. C'est impossible. La vie ne tient qu'à la vie. Surtout pendant les vacances. Les gens meurent de tous les côtés. On est en pleine saison. 4 semaines. Je l'ai vu, j'y ai droit. Soyez un peu raisonnable, Grace. Bon, écoutez. Le travail de Kerry est atroce. Elle utilise beaucoup trop de maquillage. Ils finissent tous par ressembler à John Collins. Le syndicat appréciera très certainement. Bon, d'accord. C'est bon. Disons 2 semaines à partir de demain et 3. Et vous prendrez l'autre plus tard. Merci. Et quand vous reviendrez, j'espère que vous aurez repris vos esprits. Excusez-moi, j'essaie de trouver le nom d'un conducteur. Je ne suis pas autorisée à vous donner ces informations. Non, c'est-à-dire que... il m'a prise dans ses bras. Vous voulez déposer une plainte? Donnez-moi tous les détails, je les communiquerai à mes supérieurs. Non, non, vous ne comprenez rien. Laissez tomber, c'est pas grave. Oh.
Vous pouvez pas rentrer. Monsieur, j'ai quelque chose à vous proposer. Trouvez un des conducteurs, s'il vous plaît. J'ai oublié un livre dans un wagon. C'était dimanche, à 8h30. J'ai pris ce train sur le quai numéro 3. Voyons un peu ça. Il est peut-être là à temps plein, ou alors il fait partie des temporaires. On va voir ça sur le tableau. On dirait un acteur du cinéma. C'est un très beau garçon. Numéro 3. Rob Harrison, c'est lui votre conducteur. C'est vrai, on dirait un acteur. Rob... D'accord, si j'ai bien compris, il bosse ici tous les jours, jusqu'à 11h, c'est bien ça? C'est ça. Ça vous dit, je me suis encore trompée. Ah, bien sûr. Je viens de le sortir de la machine, j'y ai pas touché. Sugar Babies. C'est ce que je prends. Je vais vous le payer. Non, non, c'est la maison qui offre. On a une chose en commun. On a de bonnes dents. Oui. Oh. Je sens que je vais m'évanouir. Faut que je me dépêche, j'ai un cours. Mets pas la pagaille. Tu rentres tard? Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Je voulais juste savoir. Non, non, c'est pas la peine de m'attendre. Il y a du thon et de la salade dans le frigo. Tu peux te débrouiller pour rentrer tôt demain soir? Il faut qu'on s'occupe du mariage. Il habite juste là, au troisième. Ils étaient en train de se disputer? Je surveille son appartement. En haut des escaliers, on voit bien le salon. On peut pas dire qu'ils soient très heureux. Et encore, ils sont pas mariés. Ah, je la vois. Elle tape à la machine. Ah, c'est lui. Quoi? Ferme la porte, s'il te plaît. Leurs relations sont terriblement tendres, si tu vois ce que je veux dire. Oh, elle est méchante, ça se voit. Ça, j'en suis certaine. Elle a refait son nez. C'est quand même extraordinaire. Ses cheveux sont superbes. Un peu sec. Pas un soupçon de graisse. On lui a fait des implants, ça c'est sûr. Est-ce que j'aimerais être comme elle? Moi aussi.
faut que je rentre. J'ai les sinus bouchés. Ils se disputent encore. Oh, mais tout le monde se dispute. T'as pas l'air au courant. Tu devrais lire un peu les journaux. La nouvelle génération n'est pas romantique. Oh, je ne voudrais pas en rajouter. Mais sois réaliste. Ce gars ne s'intéressera jamais à une fille de ton genre. Oh, je dis pas ça pour que tu abandonnes. Et c'est pareil pour moi, il ne risque pas de me remarquer non plus. Regarde sa copine, on comprend tout de suite. T'as pas lu cet article qui s'appelait « Les cœurs brisés » ? Ce genre de blessure, ça peut être mortel. Ils disent que 15 ans après un échec amoureux, tu te retrouves avec un cancer. J'ai 3 semaines de vacances devant moi, je te jure que je l'aurai. Oh, Grace, vous attendez du monde? Oui, c'est ça. Un parent qui va vous rendre visite? Non, ce n'est pas un parent. Des amis qui sont de passage en ville? Vous avez deviné, mais juste une personne. Bonsoir. Oh, c'est gentil, ça. Une de vos amies qui vient vous voir. Amusez-vous bien, surtout. De mouchoir en papier. Ça lui allait très bien. Mais Globaille a explosé. La crème de base maintenant. Moi, tout ce que je lui ai fait, c'est lui donner un peu de poitrine. C'est un crime à ce qui paraît. Il faut que tu sois plus nuancée. T'en mets toujours trop. C'est pas carnaval. Souligne pas trop les paupières. Pourquoi je me débrouille si mal quand il s'agit de moi? Eh bien, c'est parce que t'as l'habitude de travailler sur des gens allongés. Maintenant, fais-moi voir. De quoi j'ai l'air? Ah. J'étais sûre que tu y arriverais. Dommage que M. Maiglebaille ne voit pas ça. C'est ton premier chef-d'œuvre. Waouh! Allez, à moi. Allez, à toi. Tiens tes chevilles, faut pas qu'elles tremblent. Oui, j'essaie. Ça y est, j'y arrive. Roule un peu les hanches là, comme ça. Ouais, bien. Allez, continue. Excellent, Grace. Ce que tu ne dois pas oublier, c'est qu'il faut tout le temps attirer son attention sur toi. Tu dois discuter avec lui des dangers de la déforestation, de l'ozone et de l'énorme trou qui s'agrandit, ou encore de toutes ces décharges publiques remplies d'ordures. Non, tu n'y es pas du tout, Kerry. Il n'y a qu'un chemin qui conduit à son cœur, celui de l'estomac. Thank you.
dommage, sa tenue est sympa. Ouais. Mais... Oh, mon inhalateur! Où est passé mon inhalateur? Comment il est? C'est une bouteille bleue, elle a dû rebondir par là. D'accord, restez calme, j'y vais. Chez vous. Je vais le retrouver. Oh, j'ai une crise d'asthme, c'est affreux. Oh, je suis allergique à la glace. Il n'y a rien de ce côté, je ne vois rien. Où est-elle allée? Je sais pas, moi. Ça alors, elle s'est volatilisée. Non, c'est pas possible. Elle a dû prendre mes patins. Rob Harrison, vous êtes attendu à la cafétéria. On vient de retrouver vos patins. Rob Harrison, vous êtes attendu à la cafétéria. On vient de retrouver vos patins. Bonjour, c'est moi qui les ai. Vous me tenez compagnie? Banana split, chocolat chaud et frais. Quand je suis allée au Colorado avec mon père, j'étais au fond de la voiture et j'imaginais que les montagnes étaient pleines de chocolat. Et la neige de la barbe à papa. Ouais. J'adore les plats qui réconfortent. Un chocolat chaud par une matinée de pluie ou un sandwich Roquefort. Les tortellini au four avec une montagne de fromage. Et des sugar babies. Ouais, des sugar babies. On m'a appelé par mon nom. Vous connaissez comment? Je le connais. Bon, vous patinez bien. Assez pour les Jeux Olympiques. Merci, c'est gentil. C'était mon rêve de participer aux épreuves olympiques. J'y suis jamais arrivé. J'avais même pensé devenir danseur. Mais vous avez fini conducteur du métro. Vous êtes détective privé ou quoi? Non. Je prends le métro, moi aussi. Je vous ai vu. Je bosse dans les pompes funèbres. Ah? Oui. Je m'occupe du maquillage et je pianote sur l'orgue. La plupart des gens disent que c'est un travail dégoûtant. Et vous? Moi, non. Il faut bien que quelqu'un le fasse. C'est vrai. C'est comme conduire les trains. Bien, merci beaucoup, c'était délicieux. Voilà mon adresse. Pourquoi ne viendriez-vous pas après le boulot demain? Je vous mijoterai un super petit dîner. Ce serait très volontiers, mais... Je peux avoir mes patins. Qu'est-ce que vous diriez d'un poulet rôti avec une purée de pommes de terre recouverte d'un bon jus de viande? Je vais travailler tard. Votre équipe arrête à 6 heures. Amenez votre amie si vous voulez. Elle est partie en vacances. C'est Noël. Vous êtes abandonné, solitaire. Alors venez souper. J'ai un rendez-vous. Je préparais des crêpes aux noix avec beaucoup de chantilly. Je ne peux pas. Je regrette. J'ai gagné un prix avec mon diable en robe de chambre. Il n'y a que du chocolat, ça fond dans la bouche. Je verrai. 7 heures. Monsieur Harrison accepte de venir dîner, Kerry. Tu rigoles? Ouais. Thank you.
Qu'est-ce que tu dis d'une petite bière? Un vieux. C'est une idée. Hein? Quoi? T'es sûr que tu dois pas appeler ta copine pour lui demander sa permission? Elle est partie chez elle pour Noël. Elle t'a laissé tout seul? Eh oui, je bosse. Je pouvais pas y aller. Il faut qu'elle ait confiance. Pour un mec comme toi, c'est pas les occasions qui manquent. Allez, c'est vrai. Allez, viens avec moi. La nuit est à nous. On va faire la tournée des bars. Je te préviens, la chasse est ouverte. Ah ouais? Attention, j'arrive. Fais tomber ça. Ça va? Ah non, pas encore deux. Grèce. Dis donc, qui est cette petite? Qui? Aucun intérêt. Si, si, viens, venez, on va dans la maison. Ah non, non, ils ont tout bien l'extérieur. Kiri est à la crème et c'est tellement bon que ça se passe de commentaires. Kiri, le fromage du gastronome en culotte courte. Kiri, Kiri, Kiri. Il va arriver d'une minute à l'autre. Il a 4 heures de retard au moins. Il faut rester positif. Mais regarde les choses en face. Il va pas se montrer maintenant. C'est ça les hommes. Une minute ils sont gentils, 10 tu les reconnais plus de vrais hommes. Je te laisse, Kerry. Attends, je me chauffe. Ah, les gars, vous voulez que je vous dise? J'ai un pressentiment. Quelque chose me dit que la prochaine fille qui passera cette porte sera un super canon à la gêne même fille. Non, c'est sérieux, les gars. Avec les femmes, j'ai un fier de chien, vous verrez, les mecs. Ils seront maous. J'arrive pas à y croire. T'as fait ton genre. Une vraie chienne. Mais pourquoi tu dis ça? Je la trouve très bien. Je vous dis que c'est qu'une chienne. Allez-y, les gars. Il y a que le métro qui soit pas passé dessus. Regardez, on voit bien qu'il a aucune expérience. Le seul truc qu'il cherche, c'est le regard. Il adore les regarder dans les yeux. Non, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est... et la probabilité. Les probabilités. Tu peux me payer ça, vieux. Ah bon sang, il est déjà 10 heures, je dois rentrer. Ma vieille doit attendre. J'y vais aussi. J'ai la femme et les petits à la maison. Allez, salut. On te laisse tout seul, vieux. Fais pas trop de bêtises, je compte sur toi. Je croyais qu'on devait passer la nuit en ville. Et c'est ce qu'on vient de faire, vieux. C'est ce qu'on vient de faire. Il y en a assez. Salut tout le monde. Thank you.
Salut. Devinez ce que c'est. C'est votre adresse. Elle était dans un cendrier. J'ai remetté tout un bar pour la retrouver. Il y a quelque chose qui brûle. Ah, oh, mon Dieu! Le poulet! Oh, il n'y aura plus de jus! Oh. De l'air. C'est plein de fumée là-dedans. Ah, je suis désolé. Oh, c'est ma faute. Je suis en retard pour le dîner. Oh, ne me regardez pas. Je suis affreuse. J'avais tout préparé. C'était un super dîner. La table était magnifique. Ah, très bien. Et... des chandelles, un bon vin. Non, merci, pas de vin. Oh, j'ai tout bu, soyez sans crainte. Il y avait de la musique et des fleurs. J'ai même acheté un matelas et des draps de soie. Un matelas? Ouais. Vous ne comprenez pas. Je voulais vous séduire. Vous? Je tiens pas debout. Je suis folle, pas vrai? J'étais persuadée que j'arriverais à vous faire monter ici et à vous séduire avec un poulet et un gâteau au chocolat. Je me disais que d'une façon ou d'une autre, vous auriez fini votre plat, essuyé votre bouche, posé les yeux sur moi et décidé de rester ici cette nuit. Je croyais vous séduire avec ma cuisine. Oh, ne soyez pas triste. J'arrête pas de penser aux dinosaures. Ils ont tous disparu. Ils ont survécu pendant des millions d'années et aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. Ce sera pareil pour nous dans quelques temps. Ma meilleure amie n'arrête pas de me dire que les insectes prennent le dessus et qu'on est en voie d'extinction. Je voulais juste un peu de bonheur avant qu'il soit trop tard. Oh non, ne pleurez pas. Non, ne pleurez pas. Non. Oh, ça tourne. Je suis mort. Faut pas être triste. Je suis mort. Oh, Rob. Je suis désolée. J'aurais pas dû te faire venir ici. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de toi. Avec les morts, je me débrouille bien. Bonjour. Qu'est-ce que je fais là? Tu es venu dîner. Je suis venu dîner. Je dois y aller. Je suis en retard. C'est ton jour de congé. Ouais. J'ai rendez-vous. Où est mon pantalon? Sur la chaise. Attention à la main qui rampe. Quoi? Dans un film d'horreur. Tu sais, la main grise, elle saute sur la porte pour l'ouvrir. J'avais toujours peur qu'elle soit sous mon lit. Je saute toujours très loin de mon lit pour qu'elle ne m'attrape pas. Ouais. Oh, mon sang, j'ai un de ces mal de crâne. Tu veux un cachet d'aspirine? Est-ce que j'ai... tous les deux, on... Tu as été un parfait gentleman. Tu as perdu connaissance sur le lit. Ah, bien. Je fais couler un bain? Ah non, surtout pas, c'est inutile. J'ai pas le temps de prendre un bain. Tu parles pendant que tu dors. Cette nuit, t'as dit que tu voulais quitter la route, quelque chose dans le genre. Sûrement un rêve. Je devais sortir le train de la voie pour filer dans le ciel. C'est amusant. Je le vois bien s'arrêter à toutes les étoiles, comme si c'était des villages sur une carte routière. Il se passe plein de choses intéressantes dans un train. Un jour, une femme a eu un bébé à la station du stade Yankee. Il y a aussi des viols, des bagarres. Parfois, les gens se font tuer ou ils font l'amour. Tiens, serre-toi pendant que c'est chaud. Non, j'en peux plus. Je déjeune pas habituellement avec Olivia. On est toujours en retard.
ensemble depuis combien de temps? Voyons, j'ai payé 17 versements pour la télé, plus 25 uniquement pour aménager la salle à manger. Ce qui me donne 2 ans et 2 mois. On a tout organisé, on va se marier et on aura 2 enfants. Ils s'appelleront Timothy et Louisa. Vous alors, vous avez tout programmé à l'avance? Olivia, oui, elle est comme ça. Elle veut que je fasse de l'informatique. Mais les ordinateurs, ça m'agace. C'est pas grave, moi j'adore conduire les trains. En plus, je gagne pas mal de blé. Tu sais ce que je pense? Chaque chose a un sens qu'on ignore, mais un de ces jours, tout deviendra clair. Et alors, on comprendra le but de notre existence. Rob, est-ce qu'on pourrait se retrouver à la 14e station quand tu auras terminé? Pourquoi? Je voudrais t'emmener dîner chez mon père. Grace. Écoute, je te reverrai plus. C'est une occasion super, je voudrais pas la manquer. J'aimerais qu'on y aille tous les deux. Au moins une fois dans ma vie. Je veux qu'il voie ça. Tu veux qu'il voie quoi? Que je peux être capable de sortir avec quelqu'un comme toi. Tout ce que je veux, c'est 2 heures de ta vie. Je ne te demanderai plus rien. Je t'ennuierai plus jamais. Je ne te regarderai même plus patiner, si tu veux. Je vais disparaître. Pouf! Je te jure que je le ferai. Chérie, va chercher Al. T'as vu, elle a un petit ami. Il est mignon. Tu m'as entendu? Va chercher Al. Elle est en pink, ça, alors. T'as vu sa jupe? Al, salut, Vanda. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Al, papa, je te présente Rob Harrison. Ça, par exemple, t'as viré punk? Je me promenais, j'ai entendu crier « Hey, Sugar Baby !» C'était lui, je ne savais pas si je devais être flattée ou choquée. C'était un compliment. Personne ne m'avait encore appelée comme ça. Tiens, sers-toi, Grace. Non, merci, ça suffit. Oh, Grace, tu as l'habitude de te servir 2 fois, et parfois 3. Elle a raison. Je peux liquider un plat en moins de 2. Tu serais étonnée. Grace était un vrai garçon manqué. Elle adorait grimper aux arbres avec les garçons. À ce moment-là, il était un petit peu plus mince. N'écoute pas ce qu'il dit, j'avais tout de la petite citrouille. Mais non, c'est pas vrai. D'ailleurs, on le voit bien sur le tableau. Arrête, je n'ai jamais été une jolie fillette, reconnais-le. Où est-ce que tu as rangé le tableau qu'elle nous a offert? Oh, il est sur l'étagère, dans les toilettes. Il faut que je l'accroche, j'ai pas encore eu le temps. Mais nous savons tous que Grace a un magnifique visage. Il faut juste qu'elle perde un petit peu de poids. Moi, je la trouve très bien. Elle est sensationnelle comme elle est? Bien. Tu t'es toujours montré très rusé. Et tu nous as bien caché que tu avais un aussi gentil ami. Et te voilà ce soir avec lui, toute transformée. Où vous êtes-vous rencontrés? Dans le métro. Vas-y. En fait, on s'est croisés un jour dans le métro. Mais c'est en patinant qu'on s'est rencontrés. C'est très romantique. Oh, pas autant que tomber amoureux dans un supermarché. Tu sais, cette belle orange. Elisa, donne-moi la sauce, s'il te plaît. Et nous allons réveillonner chez mes sœurs pour Noël. Vous êtes les bienvenus, sans vous soir. Êtes invités. Elle sait qu'ils sont invités, Al. Mais il y aura un monde fou. Tous mes vieux amis seront là aussi. Vous ne connaîtrez personne. J'ai peur que vous vous ennuyiez. Ça ne fait rien, Vanda. Rob et moi, on a déjà fait des projets. Oui, on a déjà des projets. On est vraiment désolés. On ne peut pas. Vous êtes les bienvenus, si ça vous dit. Oui, c'est gentil. Mais on a déjà promis à ma sœur. Peut-être Noël prochain. C'est ça, Noël prochain. Au revoir, papa. Je suis ravie de vous avoir rencontré. Enchantée de vous connaître. C'est gentil d'être venu. Merci pour le dîner. Et bonnes vacances. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai jamais su exactement ce qui s'était passé. J'avais juste 6 ans. Un jour, en revenant de l'école, j'ai trouvé plein de gens à la maison. Mon père pleurait.
Et il m'a dit que ma mère était partie vivre au ciel. Après, je suis allée chez ma tante. J'ai grandi là et puis j'ai pris un appartement, un travail. Ouais, moi aussi, je connais ça. Je me débrouille tout seul depuis l'âge de 16 ans. Ma mère et moi, on a quitté Albuquerque pour venir ici. Et mon beau-père se fichait pas mal de moi. Tu t'es jeté sur la glace et moi sur la nourriture. Comment tu as dit que tu m'aimes comme je suis? Tu le pensais ou c'était juste en l'air? Ah, je le pensais. C'est pas facile de vivre dans un gros corps. Personne n'a idée de ce que ça peut être. Tu veux te faire toute petite, mais il n'y a pas moyen. L'aérobic? L'horreur! Je veux ça d'ici. Toutes ces danseuses fières et battantes. Et moi? Brisée et inexistante. Je connais bien cette sensation. Ça arrive. Mais tu sais, parfois, quand je conduis un train et que je traverse un tunnel, tout est complètement mort. Ensuite, le jour éclate et le soleil m'aveugle. Et tout à coup, le monde est tellement magnifique que ça me rend fort. Olivia a raté quelque chose. Je deviens poète. Oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de nos projets pour Noël, j'ai dit ça à cause de Vanda, c'est tout. Ah, j'ai pris le train en marche. C'est vrai. J'avais saisi. Tour sur ma moto, mais je peux te ramener. Je ne suis jamais montée sur une moto. Jamais? Non, jamais. Salut, vieux. Qu'est-ce qui se passe? Ça te tombe bien, justement, je voulais te voir. Mais ça te dirait de venir boire une bière? Bien sûr. Alors, un de ces jours. Tu l'as trouvé, cette perle? Ah, non, c'est rien, c'est une camarade de classe de ma petite sœur. Comment tu peux faire pour draguer un engin pareil? Il était 3 heures du matin, autant dire que je filais. J'avais hâte de retrouver mon plumard et je jette un coup d'œil dans le train. Et qu'est-ce que je découvre? Une magnifique poulette appuyée à la fenêtre. Laisse-moi deviner, elle était à poil? Elle était complètement nue, mais alors complètement nue. Tu connais un conducteur qui a pas rêvé de ça? C'est le métier, mon vieux, on est tous des voyeurs, tous syndiqués. J'ai complètement oublié, je dois y aller. Qu'est-ce que t'as? À plus tard. Et il va pas bien? J'en sais rien. Hé, hey, viens! On a soif, dépêche-toi! Ouais! Moi t'expliquer, c'est tous ces abrutis. Il m'arrive parfois de me comporter comme eux, de jouer aux machos. Et je me trouve bête, je suis mal à l'aise. Grace! Non, lâche-moi. Allez, dis-le. J'ai plein de gras, je suis obèse, un sac de viande, voilà ce que je suis. Tais-toi, je ne veux plus entendre ces conneries.
Écoute, je me suis comporté comme un imbécile, je suis d'accord, mais je ne suis pas comme ça. Je suis désolé. Et t'es une fille chouette. Je suis bien avec toi. Grace, tu veux que j'appelle la police? Non. Inutile de les appeler. Grace. Tout est ma faute. Je sais que je te fais pitié, mais je veux surtout pas que tu m'aimes pour ça. Tu dis n'importe quoi. Jusqu'à maintenant, je ne suis sortie qu'avec un garçon. J'avais 16 ans. Tu es sortie qu'avec Olivia. J'ai de jolis foulards à vendre. Regardez, madame, ça, c'est pas le choix qui manque. Lequel vous voulez? Allez-y, choisissez, il est beau celui-là, c'est de la soie. Avec des tas de broderies, c'est joli, hein? Oh, pourquoi pas celui-là? Il accroche la lumière. Exactement comme vous. Vous êtes une belle femme. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez du chien. Tu es très jolie aujourd'hui. T'es vraiment très jolie. Dis donc, tu serais pas amoureuse? Baby Grace. Bonsoir, Elena. Grace. Baby Grace. Bonsoir. Me voilà. Le dîner est prêt, monsieur Harrison. La journée est passée si vite aujourd'hui. Sans doute parce que tu savais à quoi penser. Ouais, je pensais à toi et à cette soirée de Noël. Tout est si magnifique. Il faut que j'aille me changer, moi. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Viens avec moi. Joyeux Noël. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une belle chemise noire. Avec des bretelles assorties. Des bretelles? Un pull-over. Une écharpe noire à pois. À pois? Ouais. Voyons ça. J'ai jamais porté ce genre de choses. Olivia dit que ça ne me va pas et qu'il vaut mieux que je me limite au classique. Donne. Ah, il est chouette. Qu'est-ce que t'en dis? Ça me va bien? Rob, tout te va. Tu es génial. Je l'adore. Ah, attends, il y en a encore un. Tiens. C'est un pyjama. Un pyjama en soie, Sugar Baby. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. J'ai rencontré Olivia sur la plage à Sunken Mill. Elle a été ma première petite amie. Elle a essayé de me façonner pour que je sois comme elle voulait. Mais je crois qu'elle a perdu la bataille. Si tu étais à moi, je veux dire avec moi.
Je ne voudrais rien changer. Rien du tout. Joyeux Noël, ma chérie. Oh, ils sont magnifiques, beaucoup trop pour moi. Allez. Oh non. Si seulement je pouvais me tenir debout. Tu ne tomberas pas, allez, continue. Allez, c'est bien. Tu y es. J'ai le nez qui coule. Laisse le couler. Tourne à gauche. À droite. Je patine pour de bon. Bien sûr, tu patines. Déjà, regarde. C'est la trouille. Où tu vas, Rob? Reviens ici. Allez. Allez, Grace, viens vers moi. Reviens ici. Viens. Non, je ne peux pas. Approche, allez, viens vers ton Rob. Tu l'auras voulu. Ouais. C'est bien. Bien. Ah non, je vais tomber. Ouais. Tu vois, hein? Tu as été magnifique, oui. C'est le plus fabuleux Noël que j'ai jamais vécu. Bon, arrête de faire cette tête d'enterrement. Laisse-moi. Tu sais quand est-ce qu'elle revient, sa fiancée? Elle l'a appelée au boulot. Elle reste chez elle pour le nouvel an. Ensuite, qu'est-ce que tu feras? Je n'y pense pas. Je veux pas tout gâcher. On va le visiter, ce bateau? Ouais, viens, Kerry, dépêche-toi. Oh. Non, merci. Alors. Bon. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que c'est chouette. C'est drôlement beau. Allez, viens. Oh, on coupe la corde et on le renvoie dans les îles grecques. Ouais. Je te signale que les îles grecques sont foutues. Les touristes ont laissé toutes leurs cochonneries dessus. On s'en fiche. On veut fixer ce moment, le mettre au fond de notre poche pour toujours. Rien ne dure pour toujours. On peut tous être balayés en moins d'une seconde. Un Boeing qui s'écrase, un cyclone, une vingtaine de voitures carbonisées, une série de meurtres, une bombe qui explose pendant qu'on dort, hein? D'où tu sors toutes ces horreurs? Ça m'arrive de lire. Je m'instruis, qu'est-ce que vous croyez? La planète est en train de s'écrouler. Elle va mourir et ce sera bientôt un immense tas de rochers, sans aucune vie au fond du cosmos. Nous, on sera tous collés dessus, comme de la vermine. Oui, et ben moi, je m'accrocherai à Grèce. Je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre chez moi. Ce sale bateau me donne de la sinusite. Je reviens. Hé, hey, où tu vas? C'est ça ton amie? Elle est épouvantable, cette fille. Elle est très bien. Il faut juste la connaître. Je reviens tout de suite. Attends, Kerry! C'est toujours la même chose. Toutes les amies que j'ai eues m'ont laissé tomber dès qu'un mec s'est pointé. Je t'ai appelé? T'es injuste, je t'ai demandé de venir avec nous. On doit réveillonner à l'Orchid Club. On veut que tu viennes avec nous, Kerry. Tu trouves ça drôle, hein? Tu voudrais que je vous regarde comme ça, vous embrasser toute la nuit? On s'aime tous les deux. C'est comme ça, Kerry. Je te laisse pas tomber, tu sais. Tu choisis. Choisir quoi? Entre nous, tu pars avec moi ou avec lui. Grace! Tu sais, sa copine, elle va revenir la semaine prochaine. Et toi, tu voudras faire plein de choses avec moi. Eh bien, ce sera trop tard. Je serai plus là. Tu seras toute seule. Tu peux en être sûre. C'est quand même un comble. J'ai droit à un peu de bonheur, moi aussi. Kerry, je m'amuse tellement. S'il te plaît, ne gâche pas mon bonheur. Je t'en prie. Écoute-moi, on n'a pas beaucoup de temps. On a encore quelques moments agréables à vivre ensemble. On voudrait que tu sois avec nous. Et puis, c'est dommage. Rob a acheté plein de nourriture. On a du saucisson, des tranches de jambon fumé. Non, merci. Tout ça, c'est du porc. Les parasites n'ont pas dû se faire prier pour s'installer dans tout ce gras. Il faut que tu choisisses, je regrette. Grace! Thank you.
Rob, c'est l'heure. Il est 5h30. Réveille-toi. Je vais faire le café. Non, non, non. Reste, reste avec moi. Reste là. Oh non, vous n'avez pas recommencé. Les fenêtres. Rob, où es-tu? Je suis revenue plus tôt pour qu'on puisse passer le réveillon tous les deux. Nous fermons plus tôt ce soir. Nous allons tous célébrer la nouvelle année. Vous mettez des sulfates sur vos salades? Je sais pas. Les légumes de la soupe, ils sont vrais ou ils sont congelés? Je sais pas. Oh, ça fait rien, c'est sans importance. Un verre d'eau, ça me suffira. De l'eau minérale. Et je ne veux surtout pas de citron, hein. Il vaporise les agrumes avec un insecticide qui traverse la peau et contamine tout le fruit. C'est affreux. Dites-moi, vous seriez pas un peu bouddhiste? Vous pourriez nettoyer ça, s'il vous plaît. Merci. Oh là là! Tu as peur? J'ai jamais réveillonné dans une boîte de nuit. Oh, t'en fais pas. C'est très relax, un peu comme une grande fête des anciens au lycée. Je suis pas allée non plus. Allez, viens. Excusez-moi. J'ai peur. Ils vont tous penser que j'ai l'air bizarre. Bizarre? Et alors? Mais regardez, ils ont pas l'air bizarre? Et lui? Lui? Et elle? Oh, excusez-moi. Oh là, excusez-moi. Je connais pas mal de monde ici. Je cherche mon ami, je ne sais pas où il est. Je pensais le trouver sur la glace, mais il n'y est pas. Ce soir, il ne viendra pas. Qu'est-ce que vous en savez? Et il s'appelle bien Rob Harrison? On se connaît, nous deux? Non, pas exactement. Je vous ai observé avec des jumelles. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Où est Rob, vous le savez? Non. Si vous savez quelque chose, dites-le-moi. J'ai peut-être bien une idée, mais il n'est sûrement pas allé là-bas. Il y a beaucoup de gens qui disparaissent, hein, comme ça, au Guatemala ou au San Salvador. Écoutez, vous êtes intelligente, ça se voit. Ah oui? Ça se voit tant que ça? Bien sûr. Soyez franche avec moi. Où est Rob? Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle et lui ont décidé d'aller dans une boîte. Elle? Yeah.
Olivia! Dégoûte! Dites-moi lire! Qu'est-ce que tu fais avec elle? Pourquoi t'es venue ici avec elle? Pourquoi? Salope! Salope! Elle te verra sa prochaine nuit! Sale garce! T'as envie de vomir! Pas de pénard! Tais-toi! Olivia! Un sale menteur! Un salaud! Gabi! Gabi! Tipe! T'as déjà remarqué? Les plus beaux meurent toujours très jeunes. La marée noire n'a pas pu être maîtrisée. Des kilomètres de plage sont recouverts d'une couche huileuse et noire. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux. Chris, qu'est-ce que ça fait de travailler avec des morts? T'es dégoûtante. Ils sont tels que nous, c'est nous. Nous allons tous mourir, il n'y a pas de raison d'avoir honte. Si, on changeait de conversation, s'il vous plaît. On est à table. C'est dégoûtant ce que tu fais. Tu peins leur visage avec des pinceaux. Il n'y a rien de dégoûtant, il faut bien. Ils ont aussi bonne mine que lorsqu'ils étaient encore en vie. La famille et les amis sont moins bouleversés de les voir comme ça. Oui, et nous avons de la chance, encore personne n'est mort dans notre famille. Touchant de bois. Et ma mère, alors? Elisa, il faut que tu manges plus de ragoût. Tu as besoin de protéines. Depuis qu'elle est née, je dois être vigilante. C'est un vrai petit oiseau. Tu sais quoi, Grace? Je te préférais avec ta coiffure punk et ta mini-jupe. Oui, ça t'allait très bien, mais c'est un soulagement de te retrouver comme avant. Qu'est-ce qui est arrivé à ton amie? Elsa, ça ne te regarde pas. Moi, je l'aimais bien. Il était mignon. Oui, elle sait que son ami est le bienvenu. Grace peut venir avec lui aussi souvent qu'elle le voudra. Il faut que j'y aille maintenant. Je dois passer à la laverie. Je m'en vais. Mais il a manqué le point. Mais qu'est-ce qui nous a foutu un abruti pareil? C'est pas vrai. Je m'en vais, papa. Ah oui, 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 d'accord, chérie. Mais il est nul ce soir, il manque le point. D'habitude, il est le meilleur. Qu'est-ce qui lui a pris? Nous allons terminer. Alors, je suis contente que tu aies pu venir. Les filles adorent te voir. Merci de m'avoir invitée. Mais tu n'as pas besoin d'invitation, c'est aussi ta maison. Écoute, Grace, depuis que ton père est venu s'installer ici, nos rangements sont un peu justes. J'avais déjà beaucoup de choses. Les filles ne savent plus ranger leurs jouets. Enfin, peu importe. Et je me suis dit que peut-être tu serais contente de le récupérer. Je suis sûre que tu as de la place chez toi. Il n'y a pas un seul mur où je peux l'accrocher ici. C'est dommage de ne pas le montrer. Et donc, tu viens quand tu veux. D'accord? N'hésite pas. Ça ne doit pas être facile si ton petit ami... Non, ça va très bien. Ah, d'accord. Eh bien, c'est bien. Tu nous donnes de tes nouvelles et tu appelles quand tu veux, Grace. Je compte sur toi. Filles t'ont vu par la fenêtre. On est désolé pour le tableau. Vanda est très... Ce n'est pas la faute de Vanda. T'es un adulte maintenant. C'est pas grave, laisse tomber. C'est un joli tableau. Et
jamais eu l'impression de faire ce qu'il faut. C'était pareil avec ta mère. Elle s'est tuée, pas vrai? Oui. Tu aurais pu me le dire. T'avais 6 ans quand c'est arrivé. Pour ce qui est de parler, je suis pas très fort. Et quand j'étais plus âgée? T'as rien demandé, alors j'ai cru que tu savais. Elle s'est tuée comment? Elle s'est noyée dans la baignoire. Quand je l'ai trouvée, c'était trop tard. Elle était dépressive et elle savait plus ce qu'elle faisait. Dans sa tête, elle pensait que tu aurais une vie plus heureuse loin d'elle. Elle t'aimait plus que tout au monde. Je sais qu'elle m'aimait. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi elle m'a quittée. C'est pareil pour Rob. C'est la première fois depuis que maman est morte que quelqu'un s'occupe aussi bien de moi. Il est parti. Et lui aussi, il m'a quitté. Les choses marchent pas toujours comme on veut. Mais tu l'as touché, tu t'es glissé dans sa vie. Et il sera plus jamais le même grâce à toi. Et tu seras plus jamais la même grâce à lui. On a parfois des problèmes quand on veut montrer son amour. Je ne vaux pas grand-chose. C'est pas nouveau, j'ai toujours si je suis nulle. Non! T'es une gagnante. Tu le sais, ne me dis pas le contraire. Je suis pas devenue ce que tu voulais, alors arrête de mentir. Tu es devenue magnifique. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais au lit avec Sigmund Freud. On avait une jolie chambre au Plaza. Tu dois me détester, non? D'avoir tout raconté à sa petite amie. Non, je ne te déteste pas. Ça fait des jours que tu boudes. Sur le moment, j'étais en colère, mais je ne le suis plus. On a tous nos petits défauts. Tu sais, parfois, j'ai l'impression qu'on est comme ces dinosaures. On est seul, on n'existe plus. C'est magnifique, Kerry. Tu es une vraie artiste. Je vais rajouter un peu de paillettes. Il était cuisinier dans un restaurant vietnamien, dans le quartier chinois. C'est pas étonnant qu'il soit mort avec tous les germes qui se baladent sur les comptoirs. Salmonelle, levure, cancer. En tout cas, je suis vraiment désolée, Grace. Ça ne fait rien. Oh, je n'ai pas fini mon rêve. Je t'écoute. Eh ben voilà, j'ai pas perdu mon temps. C'était pas mal du tout avec Sigmund Freud. Je peux te dire que c'est une sacrée expérience. Et alors, tout d'un coup, il se retourne de mon côté et il dit « C'est l'heure, désolée, madame. » Oh, je ne peux pas le regarder fermer le cercueil. Non, il est magnifique dans son beau costume. Son costume. Il nous a coûté si cher. Il n'a même pas eu l'occasion de le porter jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Chaque année, on donnait une fête. Avec un gâteau, des bougies. Chaque année. Et maintenant, plus rien. Nous pouvons peut-être faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est?
À la demande de toute la famille de Benny Chiang, nous souhaiterions partager ce gâteau avec vous en souvenir de son anniversaire qui devait avoir lieu aujourd'hui même. Oh oui, des rafraîchissements vous seront également servis. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Which nobody can deny, which nobody can deny, which nobody can deny, for he's a jolly good fellow. Grace, je vous arrête tout de suite, je m'en vais. Enfin, vous avez perdu la tête, enfin, Grace, une fête avec un gâteau d'anniversaire et des jus de fruits dans une banque. J'ai fait du bien aux gens et je me suis fait du bien aussi. Enfin, Grace, vous ne pouvez pas vous en aller comme ça, vous avez une bonne place. Qu'est-ce que vous ferez, hein? Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dehors. Vous êtes en sécurité ici et les morts ne râlent jamais. Ils ne se plaignent jamais, ne vous font aucun mal. Je crois que je suis prête pour affronter la vie. Excusez-moi. Où est-ce que vous allez, Grace? Non, vous savez ce que vous ferez? Hé, hey, Rob! Et ça te dit une petite bière? Non, merci. Il faut que je rentre chez moi. Et plus tard. Ça sera pour la prochaine fois. Je suis allée voir plusieurs salles. Celle du Clubhouse à côté de Culverton est assez intéressante. Une après-midi nous coûte 200 dollars. Il faut qu'on apporte les chaises et les tables. Ils ne fournissent rien. On prépare des hors-d'œuvre, un grand buffet avec du punch et des sandwichs. Rob, tu écoutes, c'est important. Oui, j'écoute. T'as regardé un peu les smokings? Demain. Tu devais le faire aujourd'hui. Ça te dit de prendre le train avec moi? Non, ne sois pas idiot. Je déteste quand tu joues les idiots. Désolé. Tu n'as même pas essuyé le lavabo. C'est pas vrai. Allô? Oui, je vous appelle au sujet de votre annonce. Coiffure, maquillage. Oui, j'ai déjà un peu d'expérience. Aux pompes funèbres. Exactement. Justement, je peux me vanter, aucun de mes clients n'est parti déçu, je vous jure. D'accord, super, j'y serai après déjeuner. Merci. J'ai reçu 23 boîtes comme celle-ci, chacune de différents garçons. C'est surprenant, les hommes qu'on peut rencontrer au cours du soir. J'ai un train à prendre. Mais tu ne peux pas laisser le métro ici. Rob, reviens. Silly girl.
Ah,